Oups. Bonjour. C'est trop grand. La tomate complète. Complet. Si j'écris ça, est-ce que vous arrivez à lire là? Attendez. Ça fait lisible, ça va. Bon, je sais pas qui est Jurassic, mais vous arrivez à lire. C'est lisible. Ok, d'accord. Bon, on essaie sinon. Oui. Ok, on essaie comme ça et sinon on passe sur YouTube. Attendez. D'avoir les deux en même temps. Minute. Ok. Ok, donc on va commencer la partie de tomate. Donc on va commencer avec l'exercice 3. Oui, exercice 3. Donc, on a un automate et on a les langages de la tomate. On a un automate sur AV. On va voir si j'arrive à dessiner l'automate. Et on va expliquer pourquoi il n'est pas complet et on va dire quel langage il reconnaît. Ok, que normalement, je vais faire des sons comme. Oui, ah, c'est très bien. Donc, on a un automate comme ça. Bon, je fais les autres en avant. Ok, donc il y en a. Ok, 1, 2, 3. Et puis on a les boucles A et B. Ok, donc bon, pourquoi il n'est pas complet? Parce que bon, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'un automate est complet? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un automate soit complet? Yes.
Au complet, c'est que pour A et B, on a une transition à partir de n'importe quel état. Ok, donc oui, donc comme on a un automate qui est défini sur A et B, pour chaque état, on doit avoir les étiquettes pour les transitions avec les étiquettes A et B. Donc ici, l'automate n'est pas complet. Pourquoi? Parce que, on n'a pas une transition B à partir de l'état 1 et on n'a pas une transition A à partir de l'état 2. Donc, comment on fait pour compléter l'automate? Bah, on ajoute un état puis. Donc, on va juste. On va voir si ça me laisse. Non, comme ça. Oups. Voilà, donc pour compléter l'automate, on va juste ajouter. Un état qu'on va appeler P avec les transitions qui nous manquent. OK. Donc ici on ajoute on ajoute les transitions B et la transition A, d'accord? Ça c'est un état P. Et il manque encore quelque chose, donc pour que ça soit complet, bah, il faut que P, bon, il faut des transitions qui partent de P, bah, avec toutes les étiquettes, bah, avec, bon, toutes les étiquettes possibles, c'est A et B. Donc, bon, on ajoute juste en boucle avec les 12 étiquettes. OK? Donc, là, l'automate, il est complet. Et il nous demande quel langage, quel ensemble de mots. Reconnaît cet automate, quel langage il reconnaît. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée? Peut-être que c'est un peu plus simple de travailler avec l'automate, hein, ou le premier automate. On va dire. On va dire ça, c'est l'automate. Oups. Ça, c'est l'automate A. Ça, c'est l'automate 2, qui est juste l'automate A, mais complet. Donc, ouais. Quel langage il va reconnaître l'automate 1? Ah oui, il reconnaît les mots qui commencent par AV. C'est très bien. Mais comment on fait? Bon, on va essayer d'écrire ça d'une façon plus formelle. Donc, une répétition. Bon, un seul A, un seul V. Donc, normalement, on peut l'écrire A, B. OK? Et puis, comment on fait pour écrire les restes? Bon, la partie qui est sur l'état 3, bon, avec plus ses étoiles, avec ses langages, hein, bon, un peu plus formel qu'on avait défini. Oui, parfait. Donc, ici, on a bon, l'état 3, c'est-à-dire, on peut avoir soit A, soit V. Donc, ça, c'est A ou B. Normalement, plus
plus, ça représente O, ok. Et étoile, ça veut dire que on répète A O V plusieurs fois, soit 0, soit bon, n'importe quel nombre de fois. D'accord? Ok, bon, parfait. Bon, on va passer à l'exercice. Hein. À l'exercice 4. Oups. Non. Elle me laisse. Ok. Si vous avez un compte Microsoft, je vous partage après les notebooks. Ok. Donc, ici. On a un automate sur l'alphabet. Donc, il y en a l'automate. A. Sur l'alphabet A, B, C. OK. On a les états. Zéro, un, deux, trois. État initial. Zéro. État final. Au terminal, pardon, état terminal. Trois. Et les transitions, ben on peut les représenter comme triplés, comme des triplés. Et bon, je vais écrire transition. On a 0 à 0. Puis on a 0 à 1, 0 v 0, 0 c 0, 1 à 2. A, B2. A, C, 2. Et 2. A, 3. Deux V, 3. Et 2, c'est 3. Ok, donc est-ce que tout le monde comprend bien quoi c'est quoi qui représente ces triplettes? Est-ce que tout le monde comprend bien qu'est-ce que ça veut dire ces triplettes? J'ai pas trop compris la réponse d'Arthur.
Bon, ok. Donc, en général, les triplets, ça veut dire la première. Bon, ça représente une transition. Donc, bon, les premiers éléments, c'est juste l'état de départ. Les deuxièmes, c'est la transition. Et les troisièmes, c'est bon, l'état d'arrivée. Ok? Oui, c'est comme 0. A égale 0. Oui, c'est exactement la même chose. Parfait. Ok, donc bon, il nous demande si l'automate est complet, déterministe, et il nous demande une liste des mots. Donc on va commencer par dessiner l'automate. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 états, ok. Oups, comme ça. Voilà. Je sais pas s'il me laisse. Ah oui, je change de couleur. Donc on va dire que ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état terminal. Et on va dessiner les transitions. Voilà. Les étiquettes, ça c'est 0, ça c'est 1, 2, 3. Et donc ici on a 0 à 0, 0. Bon, ok. Donc bon, les états ou les transitions qui vont des 0 vers 0 sont. Bon, on va dire A, B et C. Donc, bon, on va juste avoir une boucle ici avec les trois étiquettes A, B, C. Puis les transitions qui vont des 0 vers 1, c'est A. Bon, c'est juste A, ok. Puis on a. Ok, je quatre couleurs. Ok, c'est pas grave. Donc on a les transitions qui vont des 1 vers 2. C'est A, B et C. Donc on a les trois étiquettes ici, A, B, C. Et puis des 2 à 3, des 2 vers 3, on a encore les trois transitions. A, B, C. Et bon, on n'a pas des transitions sortant des 3. OK? Donc, est-ce que l'automate est complet? Bon. Non, en fait, l'automate n'est pas complet. Pourquoi? Parce que, bon,
Il n'y a aucune transition qui départ aucune transition ne part de l'état 3. OK? Donc, pour que l'automate soit complet, il nous faut trois transitions avec les étiquettes A, B et C qui partent de l'état 3. OK? Donc, l'automate. N'est pas complet. Aucune transition. Ne part de l'état 3. Donc, est-ce que l'automate, il est déterministe? Non. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, on a A ici. Et A ici, c'est-à-dire que on a deux transitions d'origine 0 avec l'étiquette A. OK? Oui, très bien, non? Non. L'automate. N'est pas déterministe. Donc on a deux transitions. Par des zéros. D'étiquette. Oups. Ah, c'est pas comme ça. C'est étiquette. OK. La troisième question, c'est est-ce que l'élément B, bon, on a deux mains. On a deux mains. Désolé, franchement, c'est plus compliqué d'écrire sur OneNote que sur BigBlueButton, mais bon. J'ai plus d'outils sur OneNote, donc. Mais en général, est-ce que c'est lisible? Vous comprenez mon écriture, désolé. Bon, allez. On a deux mots. On a B, A, B. Pardon. B, A, B, A. Et les mots C, A, B, C. Donc, il nous demande si ces mots sont dans les langages. Les langages qui est reconnu par l'automate A. OK. La façon de répondre à cette question, c'est de commencer à faire les tours. En fait, B, OK, on a B ici.
Donc, on commence par B, puis on fait une transition à A, puis on fait la transition B, et puis on fait A, et on arrive à l'état terminal. Donc, ça marche, B à B, pardon, B à B A, B à B A. Bon, est reconnu par l'automate. Donc, ça marche. Sinon, l'autre, est-ce qu'il est reconnu par l'automate? On peut essayer. Donc, on commence par C. OK. Et en fait, pour moi, la façon la plus simple de faire, de faire ces sortes d'exercices et commencer à l'inverse. Donc, on commence par V. Et puis, on regarde si c'est possible de construire les mots. Donc, en fait, oui, si on commence par B, on a B, on a C. Mais par contre, ça va poser un problème parce que ici, on trouve A. Et en fait, nous, on avait besoin d'un B. Donc, le problème, c'est que si vous regardez cet automate, il faut que les mots se terminent par A, puis n'importe quelle lettre, puis n'importe quelle lettre. Et ouais, donc il faut que, entre guillemets, ça s'appelle la antépénultime lettre soit A. D'accord? Donc, si vous comptez de la dernière lettre, la troisième lettre, donc dans ce cas ici c'est V, ça ne marche pas parce qu'il faut que cette lettre ici soit A. Ça c'est clair? Donc c'est bon. En attendant votre réponse. Donc c'est bon, c'est A, B, C, B. Ça n'est pas reconnu par l'automate. OK. Et après, il nous demande quels mots sont acceptés par l'automate. Donc, oui, je viens plus ou moins dire ça, pour répondre à cette question. Donc, en fait, on a les langages. Donc, les langages. Elle a des mots acceptés par l'automate. A. Des mots. Accepté par l'automate. Oups. A. C'est l'ensemble des mots qui se termine par. Bon, en fait, ici, c'est l'ensemble des mots. Bon, vous pouvez ajouter n'importe quelle quantité de lettres au début. OK?
Pardon, ouais, parce que vous pouvez faire A, puis B. Mais dès que vous faites la transition A, vous commencez entre guillemets la fin du mot. Donc ici, vous avez les dernières lettres qui vont être A, et puis l'un des trois lettres, puis l'un des trois lettres. Donc c'est en fait les langages des mots acceptés par l'automate. C'est l'ensemble des mots. Est-ce que je peux descendre un petit peu? Oui, c'est l'ensemble. Des mots qui se terminent. Oups. Par A, suivi des deux lettres. Donc, ça c'est-à-dire l'antépénultime. Comme ça, oui. C'est l'ensemble des mots où l'antépénultième lettre est A. OK? Et en termes plus formels, ça s'écrit comment? Donc on peut écrire L A égale à quoi? Ok, oui, la réponse de Léa est très bien. Mais en fait, on peut simplifier la partie à la fin. Donc, bon, c'est pas. Ok, on peut l'écrire comme ça ou. Mais. Bon, notre façon de l'écrire, c'est A. BC, c'est l'ensemble AVC étoile. OK? Puis, on fait une concaténation avec la lettre A. Et puis, on fait, bon, encore une fois, l'ensemble A, B, C. Mais à la place des étoiles, on les fait carrés et comme ça on assure qu'il y a deux, on a juste deux répétitions des n'importe quelle lettre dans ABC. OK? Donc, en fait, la réponse de Léa est correcte. On peut l'écrire comme ça. La réponse de Jules n'est pas correcte parce qu'en fait, il faut enlever les plus. Bah, les plus dans les parenthèses, eh bien, c'est juste qu'il faut enlever les plus en dehors des parenthèses parce que ce sont des concaténations, donc c'est plutôt comme ça. OK? C'est la même chose de mettre les plus en une virgule? Oui, c'est la même chose. C'est juste que les plus. Bon, les plus on utilise les parenthèses,
Donc on peut l'écrire on peut l'écrire comme ça. C'est A plus B plus C. Bon, étoile. A et A plus B plus C. Carré. OK. Donc, bah, en fait, avec les accolades, c'est la forme, on va dire, ensembliste. Parce que là, on est en train de dire, OK, on a un ensemble ABC. Et on va prendre le langage ABC étoile. OK, donc on va prendre tous les mots qu'on peut construire à partir des ABC. Puis on concatène avec la lettre A, puis on a l'ensemble, encore une fois l'ensemble ABC. Et carré, ça veut dire que on va juste prendre toutes les combinaisons possibles bon, des deux lettres. On va prendre juste tous les mots à deux lettres. OK? Donc, bah, ça c'est la façon ensembliste. Ça, c'est plus bah, la façon, je sais pas, automate. OK. Et pourquoi on ne met pas les A? Si es tout seul entre accolades, bah. Parce que même la façon d'ensembliste, bon, si on fait. Bon, si on fait. Bon, si on considère tous les langages qui sont générés par cet ensemble, bon, il y a juste un mot. Bon, OK, il y a deux mots, en fait. C'est A et... Bon, pardon, c'est pas zéro. C'est epsilon. Donc, c'est les mots A et les mots vides. OK? Donc, bon, par convention, on l'écrit comme ça. On écrit juste A. OK. Bah. Non, en fait, ça marche. Vous pouvez l'écrire comme ça. Mais bon, c'est juste que c'est plus long. Donc, et d'ailleurs, il faut enlever les toits à la fin. Donc, c'est pas comme ça. C'est comme ça, sans l'étoile. Tu peux faire attention. Oui, antépénultime, c'est avant-dernier. Donc, oui, si vous savez un mot. Si vous savez les mots ici, ça c'est les derniers, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, ou les derniers, les pénultimes et les antépénultimes. OK? D'ailleurs, est-ce que bon, quand je montre quelque chose avec mon pointeur, ça s'affiche? Oui, OK, d'accord. Ça marche. OK, on va faire l'exercice 5.
Ok, donc ici on a à la place des transitions ou la description de l'automate, ils nous ont les langages qui va être reconnu par notre automate. Ok, donc ici on a les langages finis qui a les mots A. BA, AVA, BAB, et B, 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 A. OK? Donc, bon. Pour résoudre ces sortes d'exercices, donc ici, il nous demande juste de faire un automate déterministe, bon, de construire un automate, déterministe. OK. Donc, bah, la première, disons, la façon la plus simple de faire ça, c'est juste de faire un schéma pour chaque mot. OK? Donc, ça, bon, ça, c'est un peu long, mais on va le faire. C'est pas grave. Donc, on va avoir un état de départ. OK. Et ouais, un état terminal que je vais mettre de l'autre côté. Parce que ça va être un automate. Oups. Voilà. Donc, ouais, la première idée, c'est juste, bah, on va prendre mot par mot. Donc, on va prendre A. OK? Bah, ça, c'est notre état initial. Ça, c'est notre état terminal. OK. Et on va prendre juste bon, transition. OK, ici. Et bon, on va appeler cette transition A. OK. OK, ça, c'est l'état 0. Ça, c'est l'état terminal. Bon, je vais juste les nommer F. Au final, c'est pas très grave. OK. Donc voilà, on est en transition et notre automate, il reconnaît les mots A. Maintenant, il faut faire quelque chose pour reconnaître les mots B, A. Bon, bah, OK, on fait. On fait. On ajoute un autre état ici. Bon, qui on appelle 1. OK. Et on ajoute les transitions B et les transitions A. OK. Donc on ajuste. Les deux transitions. Donc les transitions B et les transitions A. Donc ouais, ça va. Notre automate reconnaît les mots BA. Maintenant, il faut faire quelque chose pour reconnaître les mots ABA. Donc, on ajoute
deux états. OK. Pareil, on ajoute on va ajouter plus d'états comme ça avec les transitions. Oups. Donc ici on a les transitions A, B, A. Ça c'est l'état 2 et l'état 3. OK. Bon, puis, bon, OK, on reconnaît ces mots. Oui, bon, on va terminer l'automate comme ça et puis on va essayer de fusionner, de réduire l'automate. OK? Mais ça va faire un problème comme on a déjà quelque chose depuis zéro. Oui, je vais optimiser l'automate. On commence, bon, on commence juste pour construire un automate non déterministe et puis on optimise l'automate, OK? OK. Bon, on termine. Bon, je vais juste ajouter les transitions pour les deux qui manquent. Donc, en fait, pour BAV, il faut ajouter deux transitions. Pour BBBA, il faut ajouter trois transitions. OK, parce qu'il y a quatre lettres ici à pardon, état. Je me suis trompé. Pour BAV, il y a trois transitions, donc il faut ajouter deux états. Ici, on a quatre transitions, donc il faut ajouter trois états. Donc, voilà. Pour BAV, on ajoute deux états. Pour BBBA, on ajoute trois. Voilà. Je pense que vous avez déjà compris plus ou moins l'idée. OK, donc ici, bon, 4 et 5, 6, 7, 8. Donc, ouais, on ajoute les mots B, A, B. Et voilà. Et les mots B, B, B. OK. Donc voilà, ça c'est un automate. Bon, on a commencé par construire un automate qui reconnaît bon, qui reconnaît notre bon, ces mots, ces langages.
D'accord. Donc et maintenant on peut bon pour l'instant je vais pas faire la déterminisation. Donc on optimise. On peut optimiser cet automate. Donc on peut fusionner. Bon, on va commencer par fusionner, disons, les états de départ, donc A, ou les transitions qui sortent de l'état de départ. Donc, bon, on va changer les noms de l'état de départ. Pour dire, c'est juste, c'est un autre automate, ok? Donc, voilà, ça, c'est notre nouveau état de départ. Bon, j'ajoute hein, les états terminants à la fin. Okay. Donc, on a notre état de départ. Peu importe, je les nomme A. OK. Et ici, il nous faut un schéma ou une transition A. OK. Donc, bon, je vais juste faire ces transitions. D'ailleurs, l'état auquel cette transition A arrive, il faut que cet état soit un état terminal. Pourquoi? Parce que bon, on a deux transitions ici. On a deux schémas, disons. Les premières, ils arrivent déjà vers un état terminal. Les deuxièmes, il va continuer. Donc, il faut que ces mots s'arrêtent. Disons, il faut que ces schémas s'arrêtent, donc il faut faire, bon, il faut construire une transition A. OK. Je le fais en rouge. Oups. Ici vers un état final, ok? Donc, bon, on ajoute la transition A. Bon, je vais nommer ça après, mais ça, c'est un état final ou terminal. Ok? Donc voilà. Maintenant, il nous faut bon, il nous faut une transition B. OK. Donc on ajoute la transition B et la transition B bon. On va voir toutes les combinaisons possibles. Bon, on va voir B, A, B, A et B, B. Bon, aucune des transitions n'arrive vers un état final, donc on peut juste au terminal, on peut juste ajouter un état ici. OK. Avec la transition B. D'accord. Donc voilà, on a déjà les deux transitions. Puis de la transition B, il y a deux transitions possibles, c'est A ou B. OK.
Donc, si on a. Donc, je vais faire ça en bleu. Donc, oui, on est en train de regarder un petit peu B. Ok, si on a B, si on, bon, si on part de la transition B, si on fait B comme la première transition, on peut avoir A ou B. Donc, et si on a A, on arrive vers un état final. Bon, je vais ajouter ça parce que c'est plus simple de commencer par les états oups, par les états terminaux et les états finaux. Voilà. Donc, on a, bon, on est en transition vers un état final. Si on fait A. OK. Si on fait A, on est en transition vers un état final. Donc, ça correspond au deuxième schéma, ok? Si on fait B, dans les deux cas, bah, on a deux cas différents. On a les cas où on fait A, B, A et on arrive vers son état final. On a l'autre cas où on fait B, B et puis on doit faire des autres choses, ok? Donc si on fait B, bon, on va ajouter l'état ici. Oups, en bleu. Voilà. Oups. Mais si on fait B, on arrive bon, vers un état qui n'est pas final. Donc, ici, oups. Ici pour les deuxièmes. Ah, ok. Oui, donc. Bah, pardon, je me suis trompé. Bon, l'autre cas après B, bon, il y a juste un seul cas où on a B deux fois. C'est bon, c'est le dernier. Donc il y en a BB. Bon, on a seulement BB et qui commence par BB. Donc voilà, ça c'est pas grave. Ici, bon, les premières, bon, ces premières lignes représentent ces premiers mots. La troisième ligne. Bah, on va ajouter quelque chose pour la troisième ligne. Donc, on a A, B, A. OK, donc, on a A, puis ils nous font transition B. Mais, bon, on va mettre cette transition ici. Ah, ok. Donc là, j'ai fait. Ok.
Il faut peut-être s'organiser un petit peu. Parce que sinon, je pense que c'est pas très clair. Bon, le premier schéma, c'est A. C'est juste ce schéma qui est en vertical ici. Le deuxième schéma, c'est B, A. C'est lui qui est ici, B, A, et on arrive vers son état terminal. Les troisièmes, bon, on va les construire. On fait A, B, A. Donc, on fait ici A, puis on fait B. Oups. On fait B, on arrive vers un état qui n'est pas... Bon, ici c'est l'état 3, mais on va faire l'état qui lui correspond ici. Et puis on doit faire A... On doit faire A vers un état qui on n'a pas encore ajouté. Bon, je vais l'ajouter ici. Oups, pardon, c'est un état. C'est un état final. Parce que après la transition A, on arrive vers un état final. Donc, alors, je laisse pas changer la couleur. Ah, voilà. Ok. Voilà. Ici, on a la transition A. Et on arrive. Vers un état au final, ok. Donc, on a la transition A. Ça correspond au dernier schéma. Au dernier schéma, au troisième schéma, pardon. Donc, ici, on a A, B, A. Bah, A, B, A. Et ça, c'est le troisième schéma. A, B, A. Les quatrièmes, c'est B, A, B. Donc, il y en a B, B, A. Et puis, en fait, ici, on arrive dans un état final, mais on peut juste ajouter. Bon, ici, on a déjà un autre état final. Oups. Donc, on peut juste profiter de cet état final qu'on vient d'ajouter pour les troisième schéma et juste ajouter une autre transition B ici. OK. Bon, ça, c'est les quatrièmes et les cinquièmes, c'est B, 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 A. Donc, en fait, on a B, B. On peut profiter encore une fois ici de cette transition qui existe déjà et faire une connexion de cette transition-là qui existe. Donc, si on ajoute un autre schéma ici avec l'étiquette B, on
En fait, on arrive, bon, on cherche un chemin BBBA qui arrive vers son état final. Et si on profite des les chemins qu'on avait déjà, ou de la partie qu'on avait déjà, ben, on a la transition A qui existe déjà, on a BBBA. Puis c'est juste une question de nommer les chemins. Ça, c'est pas très important. Bon. Juste faire 2, 3, 4, je sais pas, 5, 6, 7. Et voilà, là, bon, j'avoue que la construction, les constructions comme ça, c'est pas très simple. Parce qu'il faut regarder bon, tous les chemins et oui, les faire un par un. Comme l'automate, il est entre guillemets petit, c'est pas si compliqué de faire cette optimisation-là. Mais pour des automates plus grands, je pense que vous l'avez déjà étudié, je sais pas. Bon, j'espère. Mais il y a un processus qui s'appelle la déterminisation d'un automate qui permet de prendre un automate non déterministe comme ses premiers automates et d'arriver à un automate déterministe comme ses deuxièmes automates avec un algorithme qui est plus simple que faire les raisonnements comme ça. Mais est-ce qu'on est d'accord? Bah, cette première partie, entre guillemets, j'étais censé faire un exemple comme ça, sans utiliser le processus de détermination. Mais est-ce que comme ça, c'est compréhensible? En fait, la seule chose qu'on a fait, c'est de prendre chaque schéma et on a juste, disons, on a juste, comment on dit, combiner les schémas qui étaient bon, superposés ou qui avaient les mêmes étiquettes. Donc, bon, ici, on a les premiers schémas qui arrivent vers son état terminal et on l'a superposé avec les troisièmes qui faisaient juste A, B, A. OK? Donc, ici, on avait notre premier schéma. Bon, des 1 à 4, c'est les troisièmes schémas. Est-ce que ça, c'est clair comme ça? Bon, oui. OK. Bah, on va faire l'exercice 6. Au moins partie de l'exercice 6. Et puis, bon, la semaine prochaine, on commence avec l'intersection, la détermination et la différence, si je ne me trompe pas. Oui. OK, donc on va faire plein d'exemples de tomates avec l'exercice 6. Bon, je vais essayer. Ici, ils nous donnent soit A, bon, un alphabet avec trois lettres A, B, C. Et ils nous demandent de construire plusieurs automates. Donc, l'ensemble des mots. Bon, les premières, c'est un automate qui va reconnaître l'ensemble des mots
des longueurs paires, donc l'ensemble. Des mots. Des longueurs paires. Oups. OK. Donc, en fait, pour cette automate, on va voir deux types de mots selon la pariété. Quel type de mots? Oui, impair et pair. Et quelles vont entre guillemets être les transitions? Donc on a deux types de mots. Ça veut dire on a deux états différents. Et comment on fait pour passer d'un mot pair, disons d'un mot pair vers un mot impair? Oui, parfait. Donc, on va voir juste deux états différents. OK. Donc, on va voir l'état pair et l'état impair. OK? Et Jules, en fait, il nous a donné la réponse. Mais OK, il faut répondre à notre question. Donc, c'est quoi l'état initial? Donc, vous commencez avec un mot qui n'a pas de lettres. Est-ce que ces mots qui n'ont pas de lettres ont une longueur paire ou impaire? Bah, c'est paire, oui, parce que 0, la longueur 0, c'est paire. Donc l'état initial va être l'état. L'état paire. OK? Et oui, c'est un état initial et un état final aussi. Donc ça, c'est bon, parfait. Alors, je vais voir s'il me laisse. On va dire ça, c'est l'état final. Ça, c'est l'état initial. Et on va les mettre en rouge pour dire, bon, il est final. Qui me laisse. Oups. Okay, donc il est final et initial en même temps. Et pour passer de l'état, bon, d'un état pair vers un état impair, il faut juste ajouter une lettre. Donc voilà, on ajoute. On ajoute une lettre, n'importe quelle lettre, A, B ou C, et on passe d'un mot pair vers un mot impair. Et si on ajoute une lettre à un mot impair, bah, on revient vers un mot pair. Donc voilà, vous savez. L'automate qui reconnaît oui, l'ensemble des mots des longueurs paires. OK. Bah, ça, c'était plus simple.
Non, il nous demande l'ensemble des mots où les occurrences de V est divisible par 3. Donc, créer, on a les occurrences. Les occurrences. Des B sont divisibles par 3. Est-ce que le mot vise est considéré comme pair? Oui, parce que là, il nous demande par rapport à la longueur. Donc, les mots vides, c'est un mot des longueurs 0. Et la longueur 0, c'est un nombre pair. OK? Donc, oui, les mots vides est considéré comme un mot, oui, comme un mot des longueurs pair. OK, donc. Pour ces, bon, pour ces deuxième question, pour la deuxième question, on a les occurrences des B qui sont divisibles par 3. OK, donc et comment on fait? Bon, en général, quand on parle de divisibilité au oui, quand on parle de divisibilité, on n'utilise que l'opérateur. Oui, modulo. Donc, on va voir trois types de mots, en fait. On a les mots. Bon, on va dire, il y a trois types de numéros modulo 3. C'est oui, on a trois résultats parfaits. Et 0, c'est 0 qui nous intéresse, donc oui, c'est parfait. Donc, pour notre cas, on va avoir trois états différents. Donc, on a l'état. Alors, je vais commencer à ajouter les états. On a l'état où les occurrences ou la quantité de V est égale à 0 modulo 3. On a bon, un autre état où la quantité de V est 1 modulo 3. Et un troisième où la quantité de V est égal à 2 modulo 3. OK? Donc, si la quantité, bon, je vais l'écrire, si la quantité, oups, si la quantité de V est égale à 0 modulo 3, ça veut dire que la quantité de V et quoi? Est divisible par quoi? Oups, c'est pas 0 ici, c'est 1, 2, et on a modulo 3. Donc, bon, Jules, il a déjà dit c'est 0 qui nous intéresse. Donc, si la quantité de V est équivalent à 0 modulo 3, c'est parce que bon, c'est parce que la quantité de V est divisible par 3, n'est-ce pas? Donc, en fait, bon. C'est lui, bon, cet état modulo 3, il va être l'état quoi?
Modulo 0, modulo 3 va être l'état quoi? Initial, final. Final. Bah oui, en fait, initial et final. C'est parfait. C'est parce qu'on commence. On commence par les mots vides. Si j'arrive à trouver. Ah, parfait. Voilà. Donc. Oups. Donc, en fait, les mots vides, il va avoir en quantité, bon, il va avoir 0 occurrence DB. Donc, ça, bon, 0 occurrence DB est divisible par 3, OK? Ou équivalent à 0 modulo 3. D'accord? Donc, ça va être l'état. Oups. L'état initial et l'état final. D'accord? Oh, pardon. Je vais faire les autres transitions là. Je dessine juste les sortes de transition parce que sinon ça prend trop de temps. Donc, voilà. Donc, on peut, à chaque étape, si on commence, bon, on suppose qu'on commence par les mots vides et on peut ajouter trois lettres parce qu'on travaille sur sur l'alphabet ABC. Si on ajoute A ou C, bah, si on a commencé par les mots vides, on a en quantité 0 d'occurrence DB. Si on ajoute A ou C, bon, la quantité DB modulo 3 reste comment? Oui, la même. Donc ici, bon, supposons qu'on commence par les mots vides, on ajoute A ou C, bah, on reste à une quantité équivalent à 0 modulo 3 des B. Par contre, si on ajoute B, la quantité va être équivalent à quoi modulo 3? Oui, va être équivalent à 1, modulo 3. Parfait. Donc ici, on a juste ajouté B. Si on est à une quantité 1, modulo 3, et on ajoute A ou C, bon, la quantité de B, modulo 3, reste comment? Bon, la même. Non? Ah, où c'est? Bah, si on ajoute, c'est exactement la même question. Si on ajoute B, si on a une quantité équivalent à 1 modulo 3 et on ajoute DB, pardon, quantité de B équivalent à 1 modulo 3 et on ajoute un B. Un B, pardon, bah, on va avoir une quantité égale à 2 modulo 3 dB. Voilà. Et bon, si on ajoute A ou C, bah, ça va pas changer la quantité dB modulo 3. Donc, on va rester à 2 modulo 3. Mais par contre, si on ajoute un B, enfin, oups, si on ajoute un B, on revient vers 0
Modulo 3. OK. Donc, voilà, ça c'est l'automate qui reconnaît l'ensemble des mots ou les nombres d'occurrences DB est divisible par 3. Bah, parce que, oui. Ça vous permet entre guillemets de sortir de l'automate quand vous êtes à modulo 0. Donc, bon, vous ajoutez des A ou des C, vous restez dans la même quantité des B équivalent modulo 3, et à chaque fois que vous ajoutez des B, pour vous changer la quantité des B équivalent modulo 3. OK? Bon, j'espère que ça a été clair. Oups, je sais pas. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ouais. OK. Bon, on va faire la partie 3. L'exercice 3, c'est on va bon, l'exercice 3. La question 3, c'est on va reconnaître l'ensemble des mots qui se terminent par B. Bon, les mots se terminent par B. Ah, avant de répondre, bon, de faire la question 3, ou de répondre à la question 3, est-ce que cet automate est complet? L'automate pour les occurrences de V divisible par 3, est-ce qu'il est complet? Bah, ça fait pas partie de la question, mais ça m'intéresse de connaître la réponse. Oui, il est complet. Parce que bon, vous voyez que chaque état a les trois types de transition ABC. Et est-ce qu'il est déterministe? Oui, parce qu'on a. On n'a jamais des transitions répétées. OK? Ici, on a une seule. Bon, pour chaque état, on n'a qu'une seule transition A, B ou C. OK? Bon, voilà. Pourquoi bon, j'ai posé la question parce qu'en fait, ici, pour cet exercice, c'est beaucoup plus simple de faire un automate non déterministe. Donc, voilà. Comment vous faites juste deux transitions? Deux transitions, pardon, deux états différents. Bon, vous ajoutez. Bon, on a l'état initial. Oups. On a l'état initial. Et l'état final. OK. Voilà. Et on va voir juste une transition.
Ici. Bah, la transition, c'est quoi? Si les mots se terminent par B, bon, c'est juste ajouter B à la fin. Donc, on ajoute B ici. Et bon, on a l'état 0 et on a ici, bon, on va nommer ça juste fin B pour dire ça se termine par B. OK. Et pour faire n'importe quel mot au début, vous faites juste les trois types de transition. Donc, vous faites A, B et C. Donc, faire ces boucles ici, A, B, C, ça vous permet de commencer par n'importe quel mot. Et puis, vous faites la transition B et vous arrivez à l'état final ou l'état terminal. Donc, et ça, c'est juste l'automate qui reconnaît les langages A, B, C, étoile. OK, concaténé avec B. Et c'est tout. Donc ici, ce n'est pas déterministe. Pourquoi? Parce que, oups, on va les faire avec une autre couleur. Parce que vous savez, B et B. Donc vous avez la transition B qui est répétée deux fois pour l'état 0. Et il n'est pas complet parce que vous n'avez pas de transition ici sur B. Mais en tout cas, bon, c'est pas grave, ils n'ont pas demandé de faire un état, bon, de faire un automate ni déterministe ni complet. OK? Pour la question 4, il nous demande de reconnaître l'ensemble des mots non vides, ces termes nés se terminant par B. Donc, les mots non vides. Ne se terminant pas par B. Donc, cette partie-là, les mots non vides, s'ajoute en restriction. Quelle restriction? Oui, parfait. L'état initial ne peut pas être l'état final. Bah pourquoi? Parce que, bon, regardez l'automate de la question 3. Si vous arrivez, bon, supposez que cet état 0 est l'état bon, final, bon, vous pouvez juste faire les mots vides et sortir immédiatement. Donc, bon. Bon, ici, pour la question 4. Bon, on va voir deux états. Un état final, ben pardon, un état initial et un état final. Et bon, on transitionne entre bon, les deux états. Ça, c'est l'état initial, ça, c'est l'état final. OK, donc.
Voilà. Donc, bon, ici, vous savez, l'État, c'est rond. Et ici, l'État, on va les nommer juste comme nom. Ben, OK? Donc, il faut juste s'assurer que la dernière lettre ne soit pas ben. Donc, comment on fait ça? Bah, on va juste ici commencer par n'importe quel mot. Donc, on fait pareil. A, B, C. Et si on regarde, si on compare avec l'automate de l'exercice 3, donc c'est quoi qui va changer ici? Donc, on fait quel type de transition ici? Quelles étiquettes? Pour s'assurer que ça. Oui, A et C. Donc, si on ajoute ici A et C, bon, on va obliger à l'automate à reconnaître à ne reconnaître qu'éléments qui se terminent par A et C. Donc, c'est juste. Oups. Voilà. C'est juste. Bon, disons, bon, l'automate qui va reconnaître ABC étoile et puis A ou C. OK? Bah, voilà, si on ajoute A et C, bon, cette transition avec A et C à la fin, bah, on ajuste. On a juste bon, on a justement les mots qui ne se terminent pas par B. OK? Ben, je vais faire la question 5 et je vous laisse les quatre. Bon, vous pouvez faire les quatre derniers, c'est pas si compliqué en fait. C'est un peu la même idée de ce qu'on vient de faire. Oups. Bah, en fait, je pense que là, 6 et 7, c'est 6, 7 et 8, c'est un peu la même chose. Bah, si vous voulez, j'ai fait en 100 minutes 5 et 9. Et oui, bon, si vous voulez partir et faire une pause, allez-y. Je pense que, bon, de toute façon, je vais vous partager un PDF avec les notes qu'on vient de faire. Et je vais essayer de télécharger la vidéo sur YouTube. Donc, oui, voilà. Donc, vous aurez les réponses quand même, de toute façon. Donc, bon. Si vous voulez faire la pause, allez-y. Mais bon, si vous voulez rester, c'est pas grave. Vous pouvez rester aussi. Pour 5, on a l'ensemble des mots contenant au moins un B. Donc, les mots contenant au moins un B. OK, donc, ben, ici, vous avez deux transitions. Bah, deux états différents, vous savez, les mots sans V et les mots avec B. OK? Donc, bah, voilà, vous savez. Deux états différents.
L'état initial, c'est juste de ne pas savoir en occurrence de B. L'état final, c'est lui où on a au moins en occurrence de B. Donc, ouais, voilà. Donc ici, vous avez l'état sans B et avec B. OK? Donc vous arrivez avec les mots vides. Si vous ajoutez A ou C, bah, vous restez bon, sur l'état sans V, parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, vous savez arriver avec les mots vides, et si vous ajoutez soit A, soit C, bon, vous restez avec, si vous arrivez avec les mots vides, et vous ajoutez soit A, soit C, bon, vous pouvez ajouter n'importe quelle quantité de A ou C, et vous restez toujours, avec un mot qui n'a pas d'occurrence de B. Mais une fois que vous ajoutez un mot, bon, que vous ajoutez B, vous passez à avoir un mot qui a au moins une occurrence de B. Et dès que vous avez une occurrence de B, bon, vous pouvez ajouter n'importe quelle lettre, A, B ou C, et vous restez toujours avec un mot qui a au moins une occurrence de B. OK? Sinon, pour terminer, bon, 5 minutes, je vous laisse faire l'exercice 6, 7 et 8. C'est un peu, bon, franchement, c'est un peu la même chose. On va faire les 9. Exercice 9. OK. Bon, je vais faire les autres et on commence avec la partie d'intersection et d'harmonisation la semaine prochaine. OK? Donc, on a l'ensemble des mots contenant au moins un A. Donc, au moins. Un A. OK. La première occurrence des A n'est pas suivie d'un C. La première. Occurrence des A n'est pas suivi dans C. OK? Vous avez un état initial où il n'y a pas de lettres. Donc, on va dire c'est l'état 0, occurrence des A. Si, bon, ça c'est l'état, c'est un état. C'est un état initial, OK? Donc, si à cet état initial, bon, si ici vous avez 0 occurrence des A et vous ajoutez
Vous ajoutez soit B, soit C. Bah, vous restez avec 0 occurrence de A. Si vous ajoutez la lettre A, bah, vous avez une occurrence de A, d'accord? Donc, bon, attendez, j'ajoute l'état. Donc, on a une occurrence d'A. Ici, on a la transition A. Mais en fait, cet état, il est aussi un état quoi? Oups. Si je sélectionne en attendant la réponse, voilà. Bon, ok, cet état où on a une seule occurrence des A, c'est aussi un état final parce que si vous avez n'importe quel mot suivi d'une occurrence des A et puis les mots se terminent là, en fait, bah, on est en train de satisfaire la condition de la première occurrence des A n'est pas suivie dans C. Ok? Donc, si vous avez un mot, je ne sais pas, B, C, C, B, et puis on ajoute n'importe quelle quantité de B et C, et on termine par A, bah on peut avoir un mot qui ne se termine pas par... Bon, qui ne se termine... Bon, où la première occurrence des A, pardon, n'est pas suivie dans C. Donc, cet état... Si j'arrive à sélectionner l'état, c'est un état final. OK? Donc ça, c'est un état final. Mais en fait, on peut avoir deux autres options. Donc, bon, voilà, si vous continuez. Comme les quatre, ah, oui. Oui, c'est un peu comme les quatre. Mais oui, donc en fait, ici, on peut un peu continuer à ajouter des lettres. Donc, si vous ajoutez B ou A, si vous ajoutez n'importe quelle quantité de B ou A, ça satisfait la condition, mais si vous ajoutez un C après, ça satisfait, ça va pas satisfaire la condition. OK? Donc il faut faire deux états différents pour ces deux cas. OK. Voilà. Ok, je termine pour commencer à lire. Ah, les termes, hein. S'il me laisse.
Voilà. Donc, voilà, si vous ajoutez un C ici, vous arrivez en l'occurrence des A, bon, en l'occurrence des AC. Et ça, en fait, là, vous pouvez ajouter n'importe quelle quantité de A, B ou C après, bah, vous restez coincé dans cet état. OK? Mais si vous ajoutez, après la première occurrence des A, si vous ajoutez soit A, soit B, et vous savez, en l'occurrence des A, on va dire qu'elle n'est pas suivie d'un C. Donc, et voilà, une fois vous ajoutez A ou B, vous pouvez ensuite ajouter n'importe quelle lettre. A, B ou C. Et quand vous pouvez ajouter n'importe quelle lettre, oui, ça vous donne un état qui est final aussi. Donc, voilà, on ajoute la flèche et on sélectionne et on les marque comme un état. On sélectionne, on les marque comme un état. Il me laisse pas sélectionner. Ah, voilà. Et ça veut dire un état final. Donc, oui. Ici, dès que vous ajoutez A ou B, vous êtes autorisé à ajouter après n'importe quelle lettre et ça satisfait la condition de ne pas avoir un A, bon, la première occurrence des A suivie par un C. Donc, vous pouvez avoir n'importe quel mot après. Et bon, ça, c'est la réponse. Bon, ça, c'est l'automate de la question 9. OK?